Je m'appelle Harry, j'ai 25 ans et je suis sur Muse. Alors, en trois mots, je me décrirais comme étant exigeante, gentille et un peu superficielle. Alors, mon meilleur date, donc il avait tout prévu, il avait tout organisé. C'était une surprise absolue, je pensais juste qu'on allait boire un café. Et en fait, il avait réservé dans un super restaurant. Il m'a emmené en voiture jusque dans un très très bel endroit. C'était comme une colline avec une vue incroyable sur tout Londres. C'était vraiment magnifique. Alors, mon pire date mémorable, donc il m'a emmené à Hyde Park. Il était pas si tard que ça, mais c'était l'hiver, donc il faisait très nuit déjà. Et on a fait que marcher. Il me parlait du fait qu'il aimait pas dépenser, qu'il aimait pas acheter des cafés aux filles qu'il ne connaît pas. Très gênant, très très bizarre. Du coup, je suis rentrée par mes propres moyens toute seule. C'était vraiment gênant. Alors, personnellement, mon expérience sur Muse, elle a été très positive. J'ai rencontré 3-4 personnes avec qui ça s'était très bien passé, mais une personne en particulier avec qui ça a extrêmement bien cliqué. Et comme on savait déjà où on allait, voilà, le but c'était le mariage. Donc, ça se passe super bien et j'espère revenir avec mon mari la prochaine fois. Alors moi, je vais être plutôt attirée vers des profils de personnes que j'arrive à avoir comme étant sérieuses. Donc c'est des informations sur leur profil, par exemple, cherche à se marier au plus vite ou bien dans quelques mois ou maximum un an. Mais c'est vrai que si la personne mentionne un mariage dans 5 ans, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Gros turn off. Aussi les photos. Les photos avec la famille, les photos avec maman. Sur les genoux de maman, tout ça, non, ça m'intéresse pas, vraiment pas.